You know what time it is. Put your baby. Salut à tous, c'est Tibbs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la petite présentation de mon M4 Systema que j'ai acheté en décembre sur le site Power6 au prix de 1200 €. C'est un Ultimate Challenge Kit modèle CQBR. Donc en gros, vous n'avez rien de monté, c'est à vous de tout monter pour ceux qui ne le savent pas. Alors pourquoi j'ai vendu, mais pas vendu, pourquoi j'ai plutôt changé pour passer sur Systema? Déjà, tout ce qui est ASCU. Et toute modification sur les AEG classiques, je veux plus entendre parler, ça m'a saoulé. J'ai eu deux répliques avec des ASCU, j'ai trois ASCU chez moi. Les trois ASCU, ils sont tous morts. Je sais pas pourquoi, les trois sont morts. Pourtant, il y en a deux montés par un magasin et non, pourtant ils crament. Donc je sais pas, du coup ça m'a saoulé. Je me dis tiens, je vais acheter un Systema. Je vois que tout le monde a tous, enfin, pardon, tous ceux qui en ont sont super contents de leur Systema. Alors pourquoi pas sur Systema après avoir essayé, bien sûr. Après avoir essayé, bien sûr, je suis tombé carrément amoureux des PTW. C'est vraiment incroyable de faire une finition pareille au niveau du corps. Déjà, l'interne, c'est super fiable. Enfin, c'est super fiable. Si vous l'entretenez un petit peu, c'est super fiable. C'est de la belle mécanique, ça tourne, c'est facile à démonter, à remonter. C'est pas bien compliqué. Mais par contre, l'inconvénient, c'est cher et il faut s'en occuper. Voilà. Donc premier point, je vais commencer par l'externe, tout ce que j'ai ajouté, donc tout ce qui n'est pas d'origine sur la réplique. Donc déjà, alors, j'ai ajouté un petit imbus que je mets sur l'arrière. Je m'en sers pas du tout, hein, c'est vraiment que pour le style. C'est une fausse... Non, même pas, je crois que c'est une vraie Macpool l'arrière. Il me semble que c'est la vraie Macpool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté? La poignée FCC, avec le marquage Macpool qui bien sûr est une fausse, ça se voit à 3000. Pourquoi prendre cette poignée? Parce que déjà elle est plus grosse, donc le moteur pour moi est mieux aéré. Parce que j'avais un ancien moteur, un moteur neuf mais qui était en cage fermée. Du coup, pour moi le moteur surchauffait trop vite, les charbons consommaient trop vite, ça faisait trop de poussière. Du coup, je passais sur une poignée qui était plus grosse, donc plus aérée. Et le moteur du coup se porte carrément mieux, d'ailleurs il va super bien. ensuite. J'ai ajouté une Repro Deotech 553, donc il fonctionne avec deux piles AAA. Pareil, il fait un viseur vert et rouge, c'est un classique, basique. Il marche super bien, je l'ai dû le payer 70 €, 80 € sur Power6 justement. Ça va, il marche vraiment bien, il n'y a pas de reflet comparé à l'ancien que j'avais, j'en suis content. Ensuite, une poignée avant ACM, donc bien sûr c'est une Repro encore une fois. Au début j'avais une angulaire. Mais j'ai préféré prendre cette poignée. Au final, au bout de 3-4 mois de jeu, je préfère largement cette poignée. Moi, je me sens plus à l'aise. Après, c'est les goûts et les couleurs, on n'en discute pas, bien sûr. Ensuite, le double PTT. Donc ça, c'est modèle propre au MK18. Enfin, propre. C'est surtout les gens qui ont MK18 qui ont ce modèle de PTT-là. Voilà, donc c'est un double embout. Donc en fait, le double embout, donc vous pouvez allumer, par exemple, l'Ampec. Et le deuxième bouton, une lampe. Moi, j'ai pas de lampe, mais à la base, c'est pour ça, c'est pour allumer l'Ampec et une lampe. Moi, j'ai pas la lampe, donc je me sers uniquement que de l'Ampec. Donc, l'Ampec, bien sûr, toujours le même que j'avais avant, un Ampec 15, une Repro, pardon, d'Ampec 15. Laser vert et lampe fonctionnelle, fonctionnant à batterie, que j'ai payé 49 $ sur le site EBRsoft à l'époque. Ouais, c'était celui-là. Ensuite, un silencieux SRC. Que j'avais acheté à l'époque pour mon anti-snipe du VFC, que j'avais payé 40 ou 45 € je crois, hein, déjà à l'époque. Ouais, j'ai dû payer super cher.
Voilà, ensuite, hop là, j'ai ajouté la petite fixation pour le rail Picatinny pour fixer ma deuxième GoPro que j'ai dû acheter 30, 40 ou 50 € sur eBay, je crois. Ouais, un truc du genre, ouais, entre 30 et 50 €. C'est super cher. Et en plus, si vous n'avez pas de marteau, vous pouvez pas le rentrer sur le rail. C'est impossible. Regardez l'état du rail. Il est limé. J'ai jamais vu un truc comme ça. À la masse, j'ai dû le rentrer tellement que c'est. C'est un truc chinois, quoi, hein, faut pas se douter, ça rentre pas, c'est pas aux côtes. Hein. Voilà. Ensuite, l'élément, bien sûr, le plus important, c'est le rail. C'est un Daniel Défense en 9 pouces et demi. Donc, c'est un spécial. Hop, on va retourner. Spécial MK18. Alors là, vous le verrez pas parce que c'est marqué en tout petit, mais en gros, dessus, vous avez le marquage MK18. Voilà. Ensuite, le upper, pareil, les marquages. Donc, ça, c'est à la sur demande. Moi j'ai demandé à Power6 si vous pouvez me le faire, donc c'est les marquages RS du Daniel Défense MK18, donc à la base ma réplique. Donc vous avez le marquage Daniel Défense, le calibre 5,56 et le DDMK18. Alors sur l'externe, ce que j'ai changé aussi c'est l'outer barrel. Alors de base, c'est un outer barrel en métal qui pèse 750 grammes, donc il fait presque 1 kg le truc. Franchement, c'est une arme de destruction massive. Vous le jetez à la gueule de quelqu'un ce outer barrel. Vous le tuez sur place. C'est lourd, j'ai jamais vu un truc aussi lourd. Du coup, Power 6 vend un outer barrel. Enfin, c'est FCC qui le vend, mais qui le fabrique, pardon, et Power 6 qui le vend. Qui est en aluminium, qui est deux fois plus léger, qui est carrément mieux à jouer. Au début, moi, je rentrais chez moi, j'avais mal au bras, je me dis putain, pourquoi j'ai acheté cette réplique, c'est trop lourd, j'en peux plus, j'en ai marre, faut que j'arrête. Non, du coup, après, j'ai acheté cette outer barrel en alu, et là, c'était la. Comment dire? La résurrection de la Systema, c'est super léger. C'est super léger. Non, c'est quand même plus lourd qu'un AG, mais c'est léger, mine de rien. Pour un Systema, c'est léger avec l'outer barrel en alu. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai pu changer sur l'externe. Ensuite, pour l'interne, qu'est-ce que j'ai changé? Alors, déjà, je joue avec une batterie 11-1 2400 mAh. C'est une DBY en 25C. C'est des très bonnes batteries, super chères, mais très bonnes batteries. Et très bonnes batteries, oui, non. Parce qu'en fait, j'avais commandé une petite batterie au début, c'était une 1200 mAh. Le souci, c'est que les câbles étaient inversés. Quand je l'ai reçu, j'ai pas fait gaffe. Et je l'ai branché. Et dès que la réplique était montée, j'ai branché la batterie. D'un coup, on a entendu comme une coupure de contact. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, voilà, j'avais cramé le MOSFET. Voilà, direct, le MOSFET avait cramé. Donc j'ai dû appeler Power6 pour leur dire que la batterie était inversée, que c'était pas normal, machin. Et au final, ils se sont rendu compte qu'ils avaient un carton complet de batterie inversée. Donc, ils m'ont remboursé, bien sûr, ils m'ont envoyé deux grosses batteries dans celle-là, DBY, et un MOSFET neuf. Donc, il y en avait franchement pour une valeur de 200 € en cadeau. Moi, je trouve ça super généreux de leur part. Franchement, je les remercie encore, sinon la réplique, elle tomberait pas. À mon avis, j'aurais laissé tomber. Voilà, donc, comme j'ai dit, le MOSFET, du coup, il a été changé. C'est celui d'origine. D'origine, ils vous mettent le moteur. Cumi en cache fermée, qui est le meilleur moteur pour 2015, enfin qui est le meilleur moteur vendu en 2015. Du coup, moi j'ai préféré changer pour le Cumi cage ouverte. Alors pourquoi cage ouverte? Déjà, il respire mieux, comme je l'ai dit, et puis la poussière de charbon s'évacue mieux. Ça reste pas encrassé dans le moteur, il faut pas le souffler toutes les 2 semaines comme je faisais avant. Voilà, moi je trouve que comme ça c'est plus intéressant, et puis même c'est moins d'entretien. Et le bruit a changé, c'est plus trop le bruit d'un système, je vais vous faire écouter après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Ah, le canon, oui. Le canon, c'est un canon PDI en 6.01 pour une meilleure précision et une meilleure portée. Donc, c'est un bon compromis avec bague d'origine, tout d'origine. Après, j'ai que le canon qui a été changé. Donc, les deux ensemble, apparemment, sont un très bon compromis. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est que c'est un super compromis. Ça tire vachement loin. Franchement, je dois taper les 70 mètres avec. Pour une puissance de 350 FPS. Bon, après ça dépend les chronies, mais à peu près je suis entre 350 et 380. Alors ensuite, les chargeurs. Alors moi, enfin, au début, il vous file un seul chargeur Systema de 120 coups. En fer super, super solide, super lourd, très résistant, qui marche vraiment super bien. Mais bon, le prix est super beau aussi. 65 € le chargeur. Ouais, ça fait vraiment mal. Du coup, je me suis dit, je vais prendre une autre marque qui est Vanaras, qui font des chargeurs alu. Vous voyez, le bruit est différent. En alu, mais qui sont au prix de 25 euros. Alors, pourquoi c'est moins cher?
Ben déjà, on tire pas les 120 billes qu'il y a dedans, c'est sûr et certain. Sur les 6 chargeurs que j'ai commandé, parce que c'était un pack de 6, j'en ai eu un qui marchait pas. Déjà. Et puis même c'est tout léger, enfin, je les ai fait tomber, j'ai peur de les péter à chaque fois, du coup j'ai voulu changer. Puis même ça suivait pas la réactivité du système, c'est vraiment des chargeurs pourris pour moi. Du coup ben, j'ai racheté des chargeurs système, du coup j'en ai 7, donc j'en ai acheté 6 en plus, donc ça m'a fait 300 euros de chargeur. Ça fait vraiment très très mal. Ouais, c'est très réactif, voilà. Ensuite, le mode full que j'ai dû utiliser une fois, c'est vraiment pour tester la réplique. Alors moi, j'ai pas de mode burst vu que c'est le MOSFET d'origine. Voilà. Hop. Comme pour les utilisateurs pardon, de Systema, vous avez pu voir qu'avec le QMI cage ouverte, c'est pas du tout le même bruit. Puis avec le silencieux surtout qui modifie le bruit, c'est impressionnant comme il modifie. Je pense pas que c'était comme ça. Il a vachement modifié, il a rendu la réplique beaucoup plus sourde. Donc au final, bah, c'est que du mieux. Moi je préfère les bruits aigus, mais pour jouer, c'est que du mieux. On se dit pas, tiens, il est là-bas, regardez, il y a un Systema, machin. C'est. Enfin, si on l'entend quand même, mais c'est moins flagrant. Ben voilà, ben, je pense n'avoir rien oublié sur cette petite review. Donc j'espère que vous a fait plaisir. Regardez bien dans la description, je vais vous mettre tous les liens pour tout acheter, donc tout mon équipement pour la réplique, pardon, avec les prix, etc. Si vous voulez vous monter la même réplique, allez-y, foncez, c'est vraiment de la tuerie. Bon, il faut savoir un peu bricoler, mais allez-y, franchement, c'est de la tuerie. Moi, je regrette pas du tout d'avoir acheté mon système, je suis super content. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo, à y mettre un pouce bleu, et bien sûr, à mettre dans les commentaires les prochaines vidéos que vous voulez voir, pardon. Vous avez promis la vidéo de Bootbank, que j'ai toujours pas dépassé les 30 secondes de vidéo. Je sais pas, j'arrive pas à la faire. J'ai pas la motivation pour la faire. J'y arrive pas. C'est comme ça. Je vais essayer de me motiver un petit peu plus, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Enfin, promis. Non, je vous avais prévu un petit loadout de mon équipement. Il me reste juste le casque à recevoir. Ensuite, normalement, je suis tout bon. J'ai tout mon équipement, donc je pourrais vous faire cette fois cette review. Ce loadout, pardon. Ensuite, je vous avais promis tous les 2-3 mois une vidéo compilation de toutes mes parties, vu que je joue pratiquement tous les dimanches, de faire une compilation avec musique, une genre de frag movie. Je vous avais promis de le faire, il faut que je le fasse aussi. J'ai quelques clips en attente. Du coup, je pense que niveau activité de la chaîne, je pense que ça va remonter un peu, vu qu'avec mon boulot, je pouvais pas trop me le permettre. J'avais pas super le temps, vu que je rentrais pas chez moi, machin. Là, maintenant, j'ai le temps. Du coup, je pense ouais, que l'activité de la chaîne va remonter. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la montrer à tous vos amis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!